Le Front National, ce soir, est en tête. Mais ce soir, à Marseille, au-delà des apparences, des chiffres, rien n'est joué. Je veux m'adresser ce soir, solennellement, aux Marseillaises et aux Marseillais, et leur dire qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore réussi à convaincre que le projet que nous incarnons pour Marseille peut améliorer leur quotidien. Je suis convaincu que le changement auquel aspirent les Marseillaises et les Marseillais ne peut passer par le Front National. Il ne passera pas non plus par l'immobilisme de la municipalité sortante. C'est pourquoi les forces de gauche, les hommes et les femmes de progrès, celles de la société civile et tous les républicains doivent impérativement unir leurs forces pour réouvrir l'espoir du changement à Marseille dimanche prochain.